Salut, c'est Lo. Je continue toujours mon aventure sur Planète Crafter. Et donc, je suis parti en exploration, hein, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, et je suis tombé sur ça. Allez, je vais d'abord faire ma petite construction. Je suppose qu'il y a. Pas s'il y a des choses à prendre dedans, mais apparemment oui. On voit une porte cassée là. Donc, on peut aller les construire. Et on voit, je suis pas. C'est pas. C'est tout au bout en fait. Hein. Donc là, vous vous rappelez, le point bleu, c'est la grotte. Hein. Là, on passe à travers. Il y a le lac. Le petit lac, on passe le long, puis après on traverse la grotte, et puis après on continue tout droit, et on arrive ici, quoi. Cette zone. On verrait au chemin retour. On va pas bien bleu plastique, ça je prends. Ça c'est pas mal. Il n'y a pas grand chose. Ça c'était quoi, un constructeur comme on a dans notre premier vaisseau, je crois. Foreuse. Ah, ok. J'avais pas vu. Bien ça. Une base souterraine. J'ai assez encore d'eau, ouais, j'ai pas mal d'eau. J'avais prévu normalement pas mal, ouais, la nourriture aussi. Oula! Ah oui, ça c'est bien ça. Ah oui, il a du super alliage, cool. Ça je prendrai après. Bah, quoique, si je peux, je prends tout maintenant. Construire. Ici. Encore des choses dedans. Faire un grand coffre. Une armoire, quoi. Puis bah, ça va être parti pour l'exploration de cette base souterraine là. Je vais tout mettre dedans. Je vais prendre l'hygiène, de l'eau. La nourriture. Hydratation bas. Ah ouais, ça commence. Ok. Nourriture, je reprends aussi un peu. Sachant qu'il me restera de nourriture et de l'eau. Ici. Oui, ça redescend encore là. De l'engrais. Oui, je vais d'abord. Alors je descends. Il y a un message là. Porte ici. Rien. Un message là. Eh ben c'est. Faut pas se paumer là. C'est extrêmement grand. Deux pas. D'accord. Là ça remonte. Ok, bon je vais rester sur cet étage là d'abord. Barre de stockage. La puce. Bon, la puce, je sais pas, je vais pas prendre puisque ok. Source intéressante, c'est quoi ça? Pas. Ah, là ça redescend. Oh, mais c'est énorme. Ça c'était un super, un gros atelier. Voilà.
Bienvenue sur votre planète simulation. D'accord, ça c'est le message qu'on a au début. Là aussi, ok, d'accord. Les mêmes, ok. Année 3055. Les mêmes messages, d'accord. Ah, ça, ok, ça. Bon, je vais prendre quand même. Je vais remonter les ressources quand même et. Et... Ah, vous m'envoyez ici pour mourir, vous avez su que c'était impossible. Vous en fichez, tout ce que vous intéresse c'est le profit, la colonisation, ce penser. Ceux qui pensaient que c'était une bonne idée devraient aller en enfer. Le plan n'a jamais été. Les maudits sentinelles. Ok. Ok. Bon. Enfin mon oxygène. Ah le type. Allez, pourquoi pas ça. C'est un réacteur, c'est. Ouais. Je vais prendre. Ok. Gène. Ouais. J'ai vu. Ok. Ah non. Oui, bah ça c'est bon. Ok. Coffre là, uranium, du bioplastique. Je vais prendre les graines, je peux prendre, ouais, quand même. Il faudrait que j'en avoir pas besoin de pas mal pour. Ok. Prendre aussi. Eh ben, quel dédale de pièces incroyables. Alors là, les barres. Avec quelques barres d'uranium incroyables. Bon. Alors que je fasse un. Je vais prendre toutes les barres qui me semblent le plus important. Ça, ça, ça je pose, je pose. Bioplastique, ça. Je pose aussi ça. Daido, je prends sur moi au cas où. Bon bah voilà, je vais vous montrer le chemin du retour. Là, c'est la poussière. Donc là vous voyez, on est à limite de map en fait. Là c'est la limite de la map. Bah on va tout droit. Aller vraiment au plus droit possible. La grotte elle est ici. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est par là. Voilà. Et à gauche. Pour le fun, reprendre un peu d'oxygène. Voilà. Encore un endroit fort sympathique. Avec les alliages, ça c'est vraiment sympa de pas retrouver ça. Pas mal d'alliages. Je sais pas si j'en aurai assez pour.
fabriquer encore une autre foreuse. Ah, nouveau plan reçu, fusée à biomasse. Oh, ça c'est cool, je vais regarder. Je vais regarder comment on fait ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je... Là-dedans, je peux rien, rien de spécial. Je vais mettre l'engrais. Si, allez, toutes les barres uranium. Ça, c'est bien, hein, avoir des barres déjà. Vraiment extra, ça. Vraiment une très bonne zone. Donc ça, ça va me permettre de... gagner des ressources pour faire une fusée. Je pense que la fusée, quelle fusée il faudrait que je fasse? Bah déjà, faut que je regarde c'est quoi là. Qu'est-ce qu'il faut justement, bah tiens, pour faire la biomasse là. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Fusée biomasse. Écorce d'arbre. Mais j'en ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé encore de ça, moi. Encore ça se craft? Bah. Peut-être qu'il faut que je fasse le... ça biodome T2, est-ce que c'est pas pour faire ça? Je vais faire ça. Échantillon de bactéries, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Des algues et de l'eau. Des algues, j'en ai 6 algues, 3 eaux. Pas 3 algues, 3 eaux donc. Ok, de l'eau. J'espère que je vais en avoir suffisamment. 4, 5, 6. J'en ai en réserve. Oh, ouais. Ok. Ah ouais, c'est... pour 1. Je vais attendre. Je vais attendre de boire. Je vais d'abord faire ce truc-là, là. Voilà. Donc ça, j'ai deux comme ça. Après, il me faut deux engrais. Alors, deux engrais. Zut. Là, mon coffre en vrai. Deux engrais. Ouais, non, j'ai pas de truc d'écorce. Hein. Non. Là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, comment ça se... C'est comment, ça? Quelle taille ça fait, cette chose? Ok. Là, c'est assez conséquent. Peut se rattacher à une zone ou pas? Comment je vais placer ça? Je pourrais pas le placer entre deux, je pense pas. Coffre. On va se placer après ça, peut-être. Je sais pas. Ah, ça pourrait se s'aggraver à ça. Quand même. Pas ça, hein. Oula.
Ah ouais, chouette. C'est chouette ça. Faire que je fasse une autre entrée aussi, hein. Ça commence à être long là pour aller au bout de ma base. Je vais ramasser ça. On gagne. Alors. Ok. La description, c'est quoi? Génère de l'écorce d'arbre. Ok. Comment? Où? Ah, là-bas. Ok, d'accord. Rien biodôme. Écorce d'arbre. Ok, donc faut attendre et je vais avoir de l'écorce d'arbre, quoi. Ok. Bah voilà, une chose de... Chose de plus de fait. Oula. Oh, j'avais pas vu que je manquais d'eau, quoi. J'ai pas récupéré 50 000 alliages quand même. J'ai un super alliage, j'en ai récupéré que 3 quoi. Pas non plus la folie. Ah non, un autre là. 5. Ouais. Donc faut attendre que j'ai de l'écorce d'arbre pour pouvoir faire la fusée à biomasse. Ok. Je pourrais faire par contre. Chaleur. Quelle fusée qui augmente la chaleur là. Il y en a une des deux qui conserve. Ah tiens, astéroïde iridium et bonus global de génération de pression en protégeant le champ magnétique. Voilà celle-ci. Il en faut deux, hein. Il faut deux. Super alliage. De super alliage et ouais, déjà là, ça je pourrais l'augmenter un peu là. Parce que la pression c'est bien, ça monte. Ouais, je vais faire ça. À un moment donné, ça va être quand même bénéfique, je suppose quand même. Cobalt. Allez, lancement de la fusée. Alors, hop, générateur de chaleur. Allez, go. On va rajouter 1000% supplémentaires. Allez, envole-toi. Celle-ci, elle fait pas. Tiens, les astéroïdes d'uranium. Ouais, je vais avoir l'uranium encore. Ok. Je vais attendre un peu de toute façon. Les astéroïdes viennent de tomber. Donc ça c'est ok. Qu'est-ce qui va se débloquer là? Chauffage T4 qui va bientôt arriver. Ça, c'est encore très loin hein, quand même. 400 à peu près. Extracteur de gaz aussi. Ah, l'extracteur de gaz, ça va être un peu de temps aussi. Un peu de temps.
ça, c'est ça. C'est ça. Pouvoir passer à des sources de chaleur. Niveau au-dessus, ça va être bien aussi. Ah, les légumes, ça commence à être plein là. Graine dorée, ça j'aurais pu le poser aussi ça. Calculateur d'oxygène, alors les écorces. Que ça commence, ça donne quelque chose. Ah oui, voyez, première écorce. Bien. Alors, là par contre, par ici, une peste d'IMA de FPS là. Pouf. Catastrophe. Alors, oula. Ah bah d'accord. Bah je peux pas sortir. Laissez-moi sortir. Ouais, d'accord. Bah, ça c'est la meilleure ça. Ok, bon bah je suis condamné à attendre, ou alors je fais une porte là. Titane, silicium, je vais faire une porte à côté, mais c'est n'importe quoi. Bah alors là, c'est la première fois que ça le fait, ça. Mais là, j'espère que... C'est nimp, ça. Oh là là là. On ne voit rien, en plus. On ne voit rien du tout. Oh, c'est pas plus mal, en fait, d'avoir mis l'entrée là. Ah ouais. Bien ici. Toi je vais te déplacer quand même. Mettre à côté. Ouais donc il y avait du 600% dans les... Et où la 600%. Oui, celle-là. Voilà, impeccable. Mec, niveau électricité, je suis toujours bon. 1243, ok, je rapproche de ma limite. Alors... Est-ce que je peux aller récolter mon uranium? Voilà, ça va tomber encore. Ça se fait, ça. C'était pas prévu, ça. Incroyable. Un météorite, bah.
que j'ai lancé qui est là, plus là. Bah, ok. Alors, où est-ce que c'était tombé encore? Ouais, depuis que j'ai mis le biodôme là, j'ai des petits ralentissements envers celui-ci, hein, je sais pas, ce construction là, elle fait un peu laguer mon PC quoi. De l'eau. Ok, alors, nouvelle entrée ici. C'est bien ici l'entrée. Impeccable. Ça, il me faut 6, 7, 3. Ok, j'en ai assez d'ailleurs pour. J'ai même pas assez en fait, j'ai que 5. Ok, bon, d'accord, ça c'est réglé. Je pourrais pas faire une autre foreuse. Pour l'instant, sans avoir découvert. Et donc pour la fusée, qu'est-ce qu'il me faut d'autre là? Pour la fusée biomasse. Donc l'écorce, graines de l'Irma, l'engrais, pour le moteur et deux trucs. Okay. Graines de l'Irma. C'est déjà plein. Moteur de fusée. Deux. Alliage. Moteur de fusée. Donc on a dit. Moteur de fusée, graines de l'Irma, graines d'écorce. Un truc. Super alliage. Ouais, faut que ça coûte cher hein, quand même d'envoyer une fusée. Biomasse, ah non, c'est deux et un engrais. Oh là 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 là, ça coûte cher. Ça coûte cher ça. De l'engrais. Ouais, c'est pareil, heureusement que j'en ai trouvé hein, parce que c'est pas donné non plus quoi. Allez, augmente la propagation de la mousse, donne un bonus de génération globale en propageant des bactéries de l'espace atmosphérique. Multiplicateur de biomasse x 1000. J'en suis à combien de biomasse? Tu vois? Biomasse 200. Ah non. 45 quelques. Donc ça va faire. On va arriver à 4000. Pas mal. Chaleur, ça a bien monté aussi là. Ah, moi ça, cette belle fusée. En fait, c'est chouette, hein. Alors ça. C'est beau. J'avais une plus belle vue d'ici, je crois. Voilà. Une petite capture d'écran. Allez, go! Et une deuxième capture. Allez, petite fusée, va faire ton job. J'étais à 45 ou... Je sais plus. Ouais, j'étais à 45.
Je crois. Petits légumes. J'ai ça, les courges. Ça monte bien là, la terraformation. Ça monte, ça monte. Donc ça, 63, c'est bientôt, hein. Bon, bientôt. Ça y est pas encore. Ça, c'est trop cher pour le moment. Et ça, bah, c'est pareil, extracteur de gaz. Et ça, c'est ouais, c'est pareil, ça va être bien, ça c'est bientôt, c'est dans 5 unités, là. 5... vraiment très proche. Je sais pas si ça sera débloqué dans... avant la fin de cet épisode-là. Est-ce qu'il y a encore des morceaux d'uranium ou autre là qui traînent ? Oh là ! D'accord. Ah, c'est ça, d'accord, ça répartit des... C'est chouette, hein. C'est vraiment classe, hein, comment c'est fait, hein. Je crois qu'il y avait un astéroïde qui est... un météorite qui sont tombés par là. Ah ouais, il y a l'uranium là, j'avais bien vu. J'attends toujours un petit peu. Comme ça, les morceaux de roche disparaissent et ça reste plus longtemps. Je vais récolter aussi en même temps les algues. Commence à y avoir beaucoup de choses là. Les constructions, les particules, l'autre là et autres. Iridium, uranium. Bon, l'uranium, je vais faire une barre là. Un pour faire une barre. Ok. Ça arrive, ça. Ça, non, c'est pas ça. 100. 98. Bientôt. Ça, j'y suis bientôt. Ça, faudra encore 10 unités. Donc, c'est pas encore forcément tout de suite. Ça sera peut-être pas dans cet épisode-là. L'extracteur de gaz, ça serait sympa, quoi. Chose que j'ai pas encore vu. Après, l'extracteur minerai. Après. Un coup, je vais aller chercher tout mon minerai. Bon, là-bas, je sais plus. Ah, ouais. Alors là, il y a plein d'uranium. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Faut pas le laisser, ça. L'uranium, aussi proche. D'accord, quand c'est en exploration, je dis pas. Hein. C'est y a d'autres sources que je préfère prendre avant. Comme ça, juste à côté. Alors, j'ai posé plus de foreuses là pour vraiment maximiser. L'aluminium, parce que c'était dans le sens que j'arrivais pas à avoir beaucoup en fait. Celle-ci. Oh, celle-ci, il n'y a rien, peut-être un seul quoi.
quoi ça? Ça récolte pas mal, hein. Vraiment pas mal. Ah, aïe, nouveau plan reçu, l'extracteur de gaz. Je vais regarder ça tout de suite. Je dépose tout ce que j'ai à déposer. Allez, faire. Aluminium. Voilà, commence à avoir pas mal d'aluminium. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Ok, bon. 3, 6, 8, 9. Voilà. Je vais encore en faire 3, 6, 9, c'est bon. C'est vrai que ça je peux. Ah oui, on peut les faire les super alliages. Et oui, c'est vrai. Ah mais quelle bête je suis quoi, on peut les. Ah là là. C'est une ressource de chaque en fait. Ok. Fusée, ça va lancer des fusées. Hein. Alors. Qu'est-ce que c'est que l'extracteur de gaz? Donc il faut 3 zéolites. What? Qu'est-ce que c'est que ça? De la zéolite? Pas vu ça encore. Bon, de toute façon, je peux faire les super alliages, je peux en faire là. Faire ça, super alliage. Donc il faut une ressource de chaque. Cobalt, etc. etc. Allez, je vais prendre deux de chaque. Aussi. Ouais, du fer, du cobalt, aluminium, bah ouais, il faut tout. Hein. Il faut tout. Du titane. Allez. Voilà. Déjà, j'aurai. J'aurai mes ressources. Pour ça, 3 ça, la barre d'iridium, ça je manque pas, mais alors le. La zéolite, alors là. Là je ne sais pas. Ça commence à être verdoyant là de. Partout là-bas, là c'est vraiment bien verdoyant. Là-bas aussi, même là-bas au loin. On s'en avoir là un peu, même ici. Ça super, ça avance bien. Ah, ce de uranium. Je retourne voir mes écrans de contrôle. Ah, et la biomasse là, ça monte vraiment bien. Super. Et que la chaleur là, faudrait que j'augmente la chaleur. Pour augmenter la chaleur, faudrait que je fasse ça. Hein. Je repose une foreuse en fait. Je vais la poser maintenant. Là que je me suis aperçu comme un bête que je pouvais faire les. Ça fait un. J'en ai combien en tout? 3, 4. Il faut que je fasse 2 encore. Ça. Pas possible hein, d'être de pas avoir fait attention. Bon, de toute façon je priorisais le fait aussi d'aller en trouver en exploration. Alors 3 6 et osmium et de 3, allez. Alors la pression, si ça va pas augmenter un peu plus là, mais.
que ça n'augmente. N'augmente pas. Aïe. Parce que j'ai une autre chose qui vient de se débloquer. Voilà. J'ai même pas fait gaffe au niveau électrique. 45, donc ça va, je crois que j'étais encore. J'étais encore à l'aise. 200, ouais, ça va. Ça va, et je viens de débloquer quoi là? Ça? Épandeur de fleurs T2? C'est ça que j'ai débloqué? Épandeur de graines, épandeur de. C'est quoi? Je viens de débloquer, j'ai pas fait gaffe. Épandeur de graines. Je. Pas sûr. Épandeur de gaz. Je vois pas en fait là le. Ben, je pense que c'est l'épandeur de graines, mais. Je le vois pas là ici dans les. Là c'est l'épandeur de graines de base. Il n'y a pas le. Pas celui que j'ai dans. Là. Épandeur de fleurs. Ah, c'est pas épandeur de fleurs. Ok. Et là, je vois pas d'épandeur de fleurs. Bon. Ne cherchons pas. Je ne le vois pas. Bon. Non. Bon. C'est pas grave. Il faut quoi pour faire ça? Et deux, bah, il faut de l'engrais et encore du super alliage. Ok, bon bah c'est l'engrais. L'engrais faut que je le fasse avec les aubergines et puis les algues. Oh, bah, encore un morceau d'uranium ici. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là, cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, ainsi qu'un commentaire si jamais. Vous avez des questions ou autres, ou même une aide peut-être. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!